Je reviens te chercher, c'est un croisement entre 24 heures et Un jour sans fin. Ce nouveau roman, c'est l'histoire du combat éternel entre l'homme et le destin. Ce qui nous arrive est-il écrit quelque part, ou avons-nous réellement la capacité d'infléchir le cours de nos vies? J'ai imaginé un personnage, Ethan, un célèbre médecin new-yorkais, qui est en train de vivre vraiment la pire journée de sa vie. Une journée au cours de laquelle il va tout perdre. Il va perdre sa réputation, la femme qu'il aime, sa fille, et il va même perdre la vie, puisqu'à la fin de la journée, il est lâchement assassiné. Alors Ethan est mort et pourtant il se réveille. Il est mort et pourtant il a cette chance extraordinaire de pouvoir revivre la journée tragique. Et donc il a 24 heures pour essayer de réparer les grandes erreurs de sa vie. 24 heures pour essayer de deviner l'identité de son assassin et essayer de sauver sa fille et de reconquérir la femme qu'il aime. Mais est-ce vraiment une chance ou est-ce un combat perdu d'avance? Peut-on vraiment en une seule journée racheter les erreurs de toute une vie? Et peut-on surtout être plus fort que son destin ?